Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte d'un jeu rétro. Nous sommes sur le pack additionnel N64 de la Nintendo Switch et comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a déjà un nouveau jeu. J'ai l'impression que Nintendo a décidé en fait de mettre un jeu N64 par mois. Là, c'est le fameux Paper Mario. Alors, vous savez, je suis très content. Donc, il est dans les deux versions. On va pouvoir y jouer en PAL. Donc, ça, c'est cool. Et on va voir le français, voilà. Donc ça, c'est génial. Paper Mario, j'ai vraiment très, très envie de le faire. Alors, je sais pas si je mettrai... si je ferai le let's play intégral sur la chaîne. Mais j'ai vraiment envie de le faire. Dites-moi si ça vous chauffe. Moi, j'aimerais bien du français, s'il vous plaît. Parce que là, tu commences, tu me demandes pas ma langue... Ça pixelise à mort par contre là. C'est très pixelisé. Ah, je suis un peu déçu. Ah ouais, c'est hyper pixelisé. C'est très pixel. Alors, de toute façon... Ah non, ça va. Comment ça se fait que le menu est aussi dégueulasse? Alors que le jeu est méga propre. Alors là, je suis choqué par la différence. Je vais essayer de me chauffer un peu. Parce que je crois qu'en plus... si on tape Paper Mario N64, durée de vie. Je crois qu'il n'est pas très long en vrai. Et Mario, on a reçu une lettre de la princesse Peach. 25 heures. Tous les secrets, 50-60 heures. Quand même. Attends, tu parles de quoi là? Ouais. Ah non, il parle de Mario 64. N'importe quoi. Bah, ils confondent tout, en fait. 25 heures, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais te lire, Dac. Alors. Ouais, c'est dégueulasse, là. Ah, oh, c'est peut-être fait exprès. J'organise une fête au château cet après-midi. Je serais heureux si Luigi et toi pouviez venir. De nombreux invités souhaitent vous rencontrer. Il y aura tout plein de bonnes choses et toutes sortes de divertissements. Amitié, Peach. Je sais pas si ça vous intéresse, en fait, bon, en même temps, les let's play, ça intéresse pas grand monde, donc je fais plus ça pour moi que pour que ça soit vu. Il y a très peu de vues sur les let's play. Donc j'ai des doutes sur les vieux let's play, en fait, encore plus que sur des let's play récents. Donc je vais peut-être me le faire sur light, pour que ça pique moins les yeux, tu vois, que sur une télé 4K, là, qui sert à rien, en fait. Alors, sur une petite light, là, ça peut être très agréable à jouer. Quel magnifique château. Il m'impressionnera toujours. On dirait que presque tous les invités sont déjà arrivés. Ah, ça y est. Donc, voilà. Pour ceux qui savent pas, on est des papiers, en fait. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle Paper Mario. T'es qui, toi? D'accord. Alors, est-ce que... Je teste. Hein. Ok. Je peux pas monter. J'ai pas envie de parler à tous les... À tous les toads. On retrouve les thèmes musicaux. C'est ça qui est fou. Il n'y a que deux touches. Il n'y a qu'une touche. Le saut. Ah!
Peach. Elle va encore se faire enlever celle-là. Je vais me reposer juste un peu. C'est fatigant de s'occuper de tous ces invités. Personne ne nous dérangera ici. Et si on bavardait un peu tous les deux? C'est un date? Il a fait très beau aujourd'hui. Et si nous allions passer un moment sur le balcon? Qu'en penses-tu, Marion? Quelle allumeuse cette Peach. Tout ça pour finir avec... avec le même méchant. À chaque fois, il enlève le château. C'est toujours la même chose. C'est toujours pareil. La Bowser qui vient, il fout sa merde. Il y a toujours des vaisseaux de plus en plus badass. J'ai vraiment envie de le faire. Il me sauve de ouf là. Je suis content qu'il soit tombé. Et je crois qu'il est pas mal. Non, je sais plus ce que j'ai vu la fois en plus. Tu vas bien, Mario? C'est passé. J'essaie de la retrouver l'info, mais le mois prochain, je sais déjà ce que c'est. Oh non, regarde Mario. On est en plein jour. Et je peux voir les étoiles. Quand je dis le mois prochain, mais je tourne ça presque. On est le 10 décembre. Et vous allez la voir dans 4 semaines. Vous allez la voir au mois de janvier, donc c'est une vidéo. Donc vous savez déjà. Ah le voilà, on a réveillé le Bowser, évidemment. Vous savez déjà quel jeu est sorti, n'est-ce pas? J'ai oublié, je crois que c'est un bon jeu. Mario, quelle surprise! Pas tant que ça en fait, je t'attendais. Ah ouais, tu m'attendais. Toujours aussi collant, joueur. Et cette fois, tu ne pourras rien contre moi. Tu n'as toujours pas compris, Bowser. Jamais tu ne vaincras Mario. Pourquoi n'abandonnes-tu... C'est vrai que jamais il va me vaincre. Pourquoi n'abandonnes-tu pas? J'admets que j'ai eu quelques problèmes par le passé, mais cette fois, c'est différent. Je vais gagner. Allez, mon grand, je t'attends. Ah ouais, ça part sur un échauffouré. Alors comment se passent les combats? Parce que mon seul Paper Mario, c'est celui de la Switch. Le saut sur Bowser. Ouais, c'est un peu le même délire. On avait les bottes et tout ça. Il m'a mis une baffe. Je peux faire que ça. Ah, est-ce que je peux faire un bonus? Attends, je vais essayer. Parce que sur le... sur l'autre, on avait un bonus? Non, alors c'est peut-être pas la bonne touche, mais... Ah. C'est beau, ça. La baguette étoile. Elle a le pouvoir d'exaucer n'importe quel vœu dans le monde entier. Et lorsque je m'en sers pour augmenter ma force, même toi, Mario, ne peux plus me vaincre. Je vais essayer de voir s'il y a un bonus, quoi, parce qu'il y a un bonus de défense et un bonus d'attaque sur le Paper Mario Origami King. Merde, oh, j'ai pris une baffe de 3 là. Ah, ça fait mal. Qu'est-ce que je fais? Je peux rien faire en fait. Ah ouais, ça le vénère et bon bah il va me foutre mal. Hein. J'ai essayé de défendre mais ça défend pas. Alors c'est peut-être pas le bon bouton. Je vais essayer un autre bouton. Non. Je peux rien lui faire. Bon, je pense que c'est scripté. Ouais, je pense que c'est scripté en fait, tu peux rien faire. Tant que j'aurai la baguette étoile, tous mes souhaits se réaliseront. Je suis invincible. Bien, bien, bien. Débarrassons-nous de Mario, il ne sert plus à rien de toute façon.
J'avoue, il faut que je lui nique sa baguette. Faut que je lui péta sa baguette. Parce que je peux rien faire. Bon, est-ce qu'on peut faire un petit combat pour que je puisse tester ma théorie de bonus, malus, si j'appuie au bon moment sur les boutons. Petite boule de papier qui vole. Moi, je pense que c'était scripté, on pouvait rien faire. Mais là, vous voyez, les lettres sont dégueulasses. Là, voilà, les lettres sont dégueulasses. Les écritures sont pas belles, en fait. Les écritures sont pas belles. Donc, je testerai ça en mode portable. Mais à voir. Je l'ai pas, le... J'ai pas le N64. Hein. Il est très cher. Mais si, je l'ai, en plus. Je pourrais le tester en vrai, en fait. Mais en vrai, je pourrais le tester en vrai. Je suis bête. Et voir ce que ça donne sur la télé. Attends, je vérifie juste vite fait, mais je crois que je l'ai. Presque sûr que je l'ai. N64. Si, je suis presque sûr que je l'ai. Mais non, je l'ai pas. Merde, j'étais sûr. Ah non, c'est le Smash Bros que j'avais acheté. Non, mais j'ai pas celui-là. Bon. Il est cher, je crois. Même en loose. Hein. Quelle chance, il est blessé, mais il devrait s'en sortir indemne. Mais Bowser à la baguette étoile, il est devenu redoutable. Il est même plus fort que Mario. J'essaierai peut-être sur l'émulateur. Calmez-vous aussi longtemps que nous serons là. Il y a de l'espoir. Il y aura de l'espoir. Notre destin est entre les mains de Mario. Nous devons l'aider. Rassemblons-nous. Donnez votre force à Mario. Par contre, je déteste la manette de la N64. Et du coup, c'est plaisant de jouer avec ça, quoi. Quelle idée ils ont eu. Quelque chose est tombé. Qu'est-ce donc? Une chemise, une casquette, une moustache. Un nez long. Oblong, un nez oblong. C'est forcément lui, notre héros Mario. Et réveille-toi. Tu vas te réveiller, oui. Zarma. Zarma. Mais what? Zarma. Qu'est-ce que je vais faire? Mais what? On disait ça à l'époque ou c'est maintenant qu'ils ont mis ça? Zarma. Je suis choqué. Mario, tu m'entends, Mario? Je suis Sage Étoile, un des esprits étoiles. Je dois te parler de choses importantes. La princesse et le royaume champignon sont en danger, comme d'habitude. Hein. Malheureusement, je n'ai pas la force de te parler pour l'instant. Mario, tu dois venir sur la colline aux étoiles filantes. Viens, Mario. Nous t'attendrons sur la colline aux étoiles filantes. Hey Mario! Lève-toi! Espèce de feignasse. Allez. On est reparti, là. Ah non, pas eux! Pas eux! Je viens de passer Captain Toad, là. Je viens de finir Captain Toad sur la Switch il n'y a pas longtemps. Et leur lenteur, j'en peux plus. Ah, des Goombas. C'est eux qui m'ont ramené ici. Une étoile moustachue. Quoi? Tu dois monter sur la colline aux étoiles filantes? Non, je n'ai pas eu cette étoile et je suis certain que personne n'est entré dans cette maison. Peut-être que tu as simplement rêvé. Quoi que j'en doute, ça devrait être un message des esprits étoiles. Ils habitent dans Havre Étoile. La colline aux étoiles filantes est l'endroit le plus proche de Havre Étoile. C'est logique. Qui sait? En tout cas, je suis content de te voir établi. Va remercier les Goombas. Tu leur feras plaisir. C'est un petit parfum. C'est celui-là. C'est celui-là qui m'a sauvé.
Ok, ils s'en foutent, en fait. C'est la grand-mère. Mon père. Ça, c'est le grand-père. Ok. D'accord. Excuse-moi de t'avoir dérangé, grand-père. Bon. On va remercier toute la famille, c'est bon? Ça, c'est marrant quand c'est... Ah, c'est quoi le S, là? Ah, c'est pour les sauvegardes. Bordélique. Non, mais ils osaient quand même... Attends. Non, mais les termes sont... Il y a des mots... Ouais, c'est bizarre quand même. Bonne chance, ils vont me laisser partir. J'ai cru deux secondes. Mario, je n'en reviens pas que tu puisses te relever après ton combat contre Bowser. T'es un vrai dur, toi. Tu as de la chance sur ce coup. Quoi pas, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, petite insolente, je suis la belle, l'unique Kami Koopa. Si j'avais le temps, je te corrigerais. Mario, tu n'arriveras jamais à sauver la princesse Peach. Bowser est mille fois plus fort que toi, tu n'arriveras jamais à l'avoir. Voici un cadeau de sa part. What? Merci. C'est quoi? Bah merci. Tu vas plier devant l'intérêt puissant de mon roi. Le monde est nôtre. Allez, casse-toi. Bois gnagnac. Ok. Je viens réparer la porte. Et j'en ai ma claque. Kami Koopa, quelle pourrie, tu as entendu ce qu'elle vient de dire? Mais attends, mais c'est la situation qui semble critique cette fois. C'est ouf, les dialogues. Bowser a encore kidnappé la princesse Peach. Incroyable. Et tu dois aller sur la colline des étoiles filantes pour la sauver. Ça va être difficile. Bah, on doit faire quelque chose. Mario est le seul à pouvoir sauver la princesse. Ça, c'est une bonne idée. On pourrait peut-être briser ce bloc avec le marteau de Koopa. Je crois qu'il s'en sert pour réparer la véranda. Ah, tu vas lui demander. Ah, ça commence à rentrer dans l'histoire. Donc ça, c'est les sauvegardes. Voilà, ça, c'est pour sauvegarder, tout simplement. Bon, on va retourner voir l'ancien, là. C'est marrant comment ça fait. Oh, le vieux, lui. Wesh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, je croyais que c'était un bug. C'était voulu. Ok, bon, bah, le grand-père, il a niqué la véranda. Hein. Ah, le loser, quoi. Bon, bah, je vois où il est. Ah, toi. Alors, j'ai entendu un énorme fracas, puis la véranda s'effondre. Es-tu tombé, toi aussi? Tu as passé la porte et qu'il n'y avait plus de véranda. Bon, nous allons bien. Le problème, c'est que ce bloc nous empêche de passer. T'as pas ton marteau? Ce bloc ne devrait pas être là. Nous avons un problème. Un marteau, bien sûr. Mais où est-il passé? Je pensais qu'il pourrait pas aller là-bas. Il devrait être dans les environs. Mais nulle part. Je suppose qu'il a dû tomber au moins d'ici. Mario, cherchons-le. Bah ouais, frère. Ah, ça, c'est quoi, ça? Hein? J'arrive à rien faire. Merde. Alors s'il y a quelque chose à faire sur ce truc, je sais pas quoi y faire. Thank you.
Il n'y a qu'une touche en fait. Hein. Le saut, la fouille, c'est une seule touche en fait. Ah. Oh là. Cool. Sur B. Ah, est-ce qu'ils ont bien mis les touches? Ouais. Je vais aller péter le truc. Ah, une poupée. Ah, donc ils perdent leurs affaires, faut leur ramener. Donc c'est des petites quêtes annexes comme ça. Qu'est-ce qu'il a encore? Ah, on a peut-être un combat là. Ouh, c'est qui lui? Ah, un combat. On va pouvoir utiliser le marteau du coup. Je vais essayer de trouver si... J'arrive pas à contrer ou... Je sais pas s'il y a un boost, je suis presque sûr. Il se défend pas. Hein. Donc c'est du 1 pour 1, c'est un peu naze quoi. Je défends pas, j'arrive pas à me défendre. Non. Ah non, mais attends, c'est abusé par contre. Parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de tactique, quoi, si tu peux pas te défendre. Si je fais ça. Ah non, c'est pareil, en fait. Bon, je l'ai eu, mais... C'est dommage parce que tactiquement, du coup, c'est zéro, c'est du 1 contre 1, quoi. Il n'y a pas de, de tactique color, je ne trouve pas la bonne touche. C'est vraiment dommage, il faut que je trouve. Il faut que je trouve, il y a forcément un truc. Il y a forcément quelque chose. Parce que sinon, c'est du 1 pour 1, c'est pas intéressant. Donc on va tester ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais voir. Ok. Ok, c'est cool. L'autre, il va me suivre longtemps, là. Putain, on est déjà à 23 minutes. C'est cool. Ça veut dire qu'on s'ennuie pas. Ouais. Bah, on va s'arrêter là du coup. Je suis un peu déçu pour les combats là. Ouais, va falloir que j'étudie ça. J'espère que c'est pas ce que je pense. Fleur de feu. Ah. Ok. Donc j'espère que ce sera un peu plus tactique que ça les combats parce que sinon je vais être déçu. Ah d'accord. Ah, j'ai raté. En fait ce qu'il disait c'est qu'il faut le taper voilà en props. Ouais mais c'est nul. Non j'arrive pas à bonifier ou à me... Attends je vais essayer autre chose. Peut-être avec le... Je sais pas, avec le joystick ou... Non, je sais pas. Je vais chercher. Voilà, mais j'espère que vous avez kiffé cette découverte. C'est le cas, laissez-moi votre pouce bleu. Donc pour ceux qui ont le pack additionnel, il est disponible sur le pack additionnel. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez-moi vos plus gros pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je crois que j'ai vu un petit truc de sauvegarde par ici. Mais en même temps, c'est pas sur celui-là que je vais le jouer. Donc, je vais le faire sur la light, je pense. Je pense que je vais le faire en portable.
Allez, salut tout le monde.